Bonsoir, 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 bonsoir Mimi. Bonsoir à tous. Fatigué. Non, ça va. Bonsoir, on est en compagnie de Bloody Meister, le MJ, ouais. Bonsoir. De Akai, dans le rôle d'Akai, oh mon dieu. Et toujours moi. Et de Miyuri, dans le rôle de Reiji, oh là là. Salut. Comment ça va? C'est n'importe quoi. Ça va bien et toi? Ça va, tranquille. Je pète le feu, j'ai fait le montage de l'épisode, j'ai finalisé le montage de l'épisode 4. Yes. J'ai fait pas mal de choses côté lettra et je suis en forme les gars, let's go. Let's go, donc du coup, résumé des épisodes précédents. Yes. Qui c'est qu'on désigne pour le résumé? Tiens, la personne qui est arrivée en retard, du coup qui nous fout en retard sur le tournage, Miyuri, résume. Hey, j'ai fait celui de la dernière fois, tu déconnes ou quoi? Elle se rebiffe. Allez, bon, elle l'a fait la dernière fois. Du coup, Nini, vas-y. Nini. Ah, mais je vais bien refaire, c'est pas grave. C'était moi sur Nara et tout. Non mais c'était... Ouais, mais juste avant il y avait Akai. Après essaye pas de gruger, Miyu. Non mais c'est vrai, je sais pas que j'essaie de gruger. Il est où? Bon vas-y, Nini, du coup. Fais le résumé. Attends, j'ai un souci. Le clavier encore. Super. Il n'y a besoin que de ta souris en théorie. En théorie. Normalement, à part si on écrira sur le côté, mais pour l'instant, la souris, je pense, doit être. En théorie. Non, c'est bon. Alors, ouf, attends, je retrouve mes petits. Alors, je sais qu'on est arrivé au campement. Ouais. Que Monsieur Nunu avait rencontré un ancien ami, on va dire, entre guillemets, parce que c'était l'autre qu'il aime pas trop. On avait dormi, j'ai fait un rêve qui devra m'aider normalement, d'un arbre un peu spécial. Du coup, on s'est rayé, on a mangé, j'ai parlé de mon rêve, et après on est parti dans la forêt pour essayer de retrouver le frère de Nara et un mage un peu spécial, si je me trompe pas. Et après on est tombé sur des sortes de singes un peu. Ouais, ça c'est des singes. Ça, je me trompe pas. Sorte de singe et on est tombé sur les singes. Je suis curieuse à cause de Akai et de Nul qui disait voilà qui faisait ça et faisait leur petit bruit. Alors non, c'est pas ça du tout, c'est et du coup à cause de ces deux là bien sûr, ces deux là on doit les affronter, les singes qui essayaient d'être discrets en territoire hostile connu et avec des animaux qui ont potentiellement un flair. Et aussi à cause de Akai et de Naitoru, ils vont se faire tous les deux engueuler plus tard par Nagato. Eh oui, c'est ça. Allez. Voilà. Allez, vas-y. On va rajouter des couches. Un peu engueulé, ça va. Oh, moi j'en rajoute là. On rajoute des couches. Voilà, et on était en combat contre ces gorilles. Voilà. Akai en a fait fuir un. Du coup, bah, il a pas scoré parce que c'est celui qui en défonce le plus. Mais. Moi j'en ai eu un. Elena en a eu un. Un point pour Elena. Forte. Et Miyuri qui essayait de lancer un sort mais qu'elle avait raté. Elle n'y arrive jamais, je crois. Coup, comme c'est Nini qui faisait la synthèse et qu'elle n'a pas mentionné l'épée de Akai, Akai n'a plus d'épée. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. T'as oublié ça, mais une épée plus 3 de dégâts. Oui, moi j'ai. Pourquoi j'ai plus d'épée? Mais non, t'en as une, c'est bon, c'est une plaisanterie. Oh, je rigole. Ah, troll. Lui, il est en mode quoi? Maintenant j'en ai deux. Non, t'en as qu'une. Non, t'en as qu'une. J'ai dit deux. A qu'une, ta cible était en train de se barrer, voilà. Aussi, pour de rajouter un détail, ce qui fait que juste pour te mettre la pression, si tu n'agiras pas avant moi, la cible, je te jure qu'elle se barre. On est pas mis. Je chauffe le taquet, tu vois. Trop rapide pour lui. Donc, du coup, on avait fini le tour, c'est ça. Voilà. Fini le tour. Oui, on avait fini le tour, pile poil, et là. Je vous propose de faire vos jets de frénésie. Let's go! Pour pouvoir préparer vos petites pastilles. Pour le turn order. Et cliquez tous. Le turn order il est là. Et cliquez tous sur vos personnages sur la map avant de faire l'initiative. Ok. Histoire d'optimiser le. Donc frénésie, c'est ça?
Alors, du coup, vous aviez pas dû faire gaffe la dernière fois. Je tirais une initiative pour tous les singes que vous voyez. Ah, ok, c'est bon. Et j'avais dépensé les actions en fonction de qui, vu que c'est pas des boss, c'est pas des personnages. Non, mais ok, d'accord. Ouais. Ça me permet de gérer. Donc là, ton petit trait là, c'est pour le goumer, c'est ça? Ouais, mais... non, je sais pas comment l'enlever, je voulais faire ça, mais ça fait un gros trait. C'était compréhensible. Je sais pas comment supprimer. C'était compréhensible, Akai. Merci. Merci, monsieur l'arbre. Merci. Donc, eh ben, malheureusement pour toi, c'est quand même Nail Tell You qui joue avant toi, qui peut aller défoncer ton sein. Ah, c'est vrai, je peux faire ça. S'il fait ça, c'est lui que je crame. C'est vraiment plus. J'ai plus. Pile à distance. Si je chaîne avec mon point de frénésie, je peux faire mes deux actions en une avec une pénalité ou pas? Alors, il me semble que ce que tu dis, c'est pas mal. Je vais juste. Hop. Je vais juste vérifier ça. Ouais, avant ton action, si tu dépenses ton point de frénésie, tu peux enchaîner tes deux actions sans malus temporel. Oh là là. Après, est-ce que t'as besoin de chaîner tes deux actions, sachant que tu es à 8 mètres? Bah, en fait, ah genre... oui, tu voudrais taper le premier et attaquer l'autre. Voilà. Ah oui, d'accord, là, c'est cochon. Je suis obligé de te dire que tu peux là. Alors du coup, je vais préparer. Comme je pratique les arts martiaux, oui, ça, oui, je sais où sont les points vitaux de mes adversaires. Oui. Je me dis, un gorille, ça. C'est le chat de qui qu'on entend? C'est le chat d'Akai. Merci de me couper. Du coup, je me dis, un gorille, c'est à peu près foutu comme un être humain. Mm-hmm. C'est-à-dire que si je mets un coup d'arts martiaux, donc basé sur ma dextérité, dans la gorge du gorille en face de moi, juste à côté, ah vache, je vais lui éclater le larynx, sa mère. Voilà. Et derrière, je chaîne, je me retourne et je balance un cutting kick sur le singe en train de s'enfuir. Est-ce que ça va marcher? Est-ce aussi que... Mais est-ce que ça va marcher aussi? Ouais, là, c'est ça. C'est oui. Le plus cutting kick. Donc les dés y suivent. Voilà. Donc, ouais, voilà. Alors, l'avantage, c'est que même si tu rates ton coup sur lui, tu peux quand même, avec le chaînage, tenter de défoncer celui-là. Voilà. Par contre, je m'aperçois qu'il y a un problème technique. Et je vais avoir besoin de votre honnêteté, c'est qu'en fait le Roll20 a réinitialisé les points de vie des gorilles. Et du coup, je me rappelle plus les deux gorilles qui alors, sont là, ce qu'ils que avaient comme points de vie. Moi, je l'avais enlevé 3 ou 4, si je dis pas de conneries. Oh, après, c'est que je peux remonter la conve et de voir genre le sort du feu under kick et la défense du gorille en face. Undercake. Ouais, je crois que les trois étaient touchés, hein. J'avais fait 3. Elena, elle. Mais l'autre singe, celui qui s'enfuit. Celui-là qui s'enfuit, Akai, il a touché un petit peu ou pas? Il avait aussi touché avec. Ouais, je crois. Il l'avait pas touché de deux. Ouais, je crois qu'il a touché deux fois, mais non, mais genre il était weak de ouf, le singe. Oui, il était prêt. En fait, il était presque assommé, mais il s'est barré justement. Ouais, c'est ça. Ouais, il doit pas rester grand-chose sur celui-là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pour ça qu'il se barrait. Donc ça, et hop. Et l'autre, on va partir sur ton 4. Reggie, tu l'avais touché le... Non, toi t'étais sur l'autre et après t'es parti sur celui de Reggie. Oui, je l'ai pas encore touché le deuxième, ouais. Non, attends, si, elle avait touché mon singe à moi de 2 points de vie, je crois, avec son hurlement au départ. Oui, pardon, excuse-moi. Effectivement, okay, celui-là, je l'ai touché, oui. Donc, alors, suivant comment tu gères tes jets, il y a moyen que tu achèves les... Que je les couche les deux à la fois. Let's go. Histoire de te chauffer. Après, est-ce que les dés vont suivre tout ça? Ils vont faire oula. Le punch. Par contre, je te garantis pas qu'Aka, il va pas être extrêmement énervé. C'est pas grave. Je sens qu'il y en a un cas qui va vouloir... Et j'arrive pas à baisser cette putain de fenêtre. Laisse-moi faire mon dé. On va noter souris bientôt. Caractère shit. Personnage. Alors, donc du coup, c'est un jet de corps à corps sur dextérité. Ouais. Corps à corps. Combat corps à corps.
Normalement, en combat corps à corps, ça devrait aller. Ouais, j'ai 3. Combat corps à corps, faut que tu fasses, quand même un corps de l'HV-HV. Je fais 4. Bon ouais, c'est 4. Donc du coup, est-ce que tu veux un petit rappel de la note que j'ai écrite? C'est quoi la note que... Combien je vais faire de dégâts, c'est ça? Hop. Ouais, c'est ça. Vas-y, en gros, tu vas faire 2 de dégâts. Parce que je n'ai pas utilisé d'action, mais j'aurais pu utiliser une action pour protéger mon balcon, ce qui fait qu'en fait, techniquement, il a le réflexe de pouvoir minimum se prendre le pouls, mais je sais pas, être en position pour limiter les dégâts, tu vois. Donc en fait, ça va être mon score de réussite divisé par 2. Donc là, tu le touches de 2 points. Donc t'arrives à le frapper. Alors je sais pas ce que tu visais, la gorge-gorge. Ouais, la gorge-gorge, la trachée, en fait. Donc tu le tapes au niveau de l'épaule, ce qui fait qu'il est un petit peu déstabilisé. Tu vois qu'il commence à avoir sacrément du mal à tenir debout. Donc t'as le choix soit de continuer ton option et d'aller sur lui, soit peut-être d'en profiter pour achever l'autre. Un cutting kick si jamais tu... comme ça à bout portant. Bah après tu peux refaire un coup de pied aussi. Hein? Tu peux refaire aussi un coup de pied aussi, t'es pas obligé non plus de dépenser ta magie tout de suite. Non, pas ça trop. Donc le Ryuken touche l'épaule au lieu de la gorge. Okay. Le cutting kick, c'est le sort à distance, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. C'est que les sorts ils sont à peu près du même niveau en plus, donc genre peu importe le sort que j'utilise, je ferai les mêmes dégâts en fonction du dé, c'est ça. Bah ton cutting kick, il a directement un plus simple dégâts par rapport à ton corps à corps qui lui n'en a pas. Par rapport au Thunder... Non mais par rapport au Thunder Kick aussi, j'ai deux sorts. Par rapport au niveau dégâts entre tes deux sorts, t'as la seule différence, c'est le distance. Après c'est la déstabilité. Ouais, je vais taper un Thunder Kick direction la mâchoire, mais vers le haut, genre comme ça, c'est en ciseaux. Pour lui? Ouais. En reprise de volée dans la tronche. Enfin dans le. Ouais, comme un uppercut en fait. Ouais c'est ça. Ah là. Alors vas-y. Je te laisse faire ton truc. Dommage pour le singe. Bah hey. Sinon je peux lui lancer une flèche au singe qui s'enfuit hein, que la distance, non? S'agisse avant Akai. Akai est vénère, Akai il joue le tour d'après. Alors, déjà il faut me supprimer mon point de frénésie que j'ai utilisé. Ouais, je l'ai retiré. Je te l'ai retiré ton point de frénésie. Alors, Thunder Kick. Je vais pas lui faire de dégâts. Ok. Donc ton sort passe parce qu'il ne se défend pas et comme tu as un plus 1 de dégâts, par contre ta marge. Donc ta marge, je sais pas si t'as cette histoire de marge, hein, c'est vraiment la qualité du jet. Donc là, tu réussis sur le fil du rasoir, donc il n'y a que ton plus 1 qui compte. Hop. Et du coup, tu vois qu'il est... Il est figé comme s'il allait tomber au sol, mais il tient au fil du truc. Ah, genre il est fiché avec la tête en l'air comme ça. Chez. C'est con parce qu'il te manquait vraiment un. C'est terrible. Il tient à un point de vie le mec. Oh non. En mode. Akai. Hey. En mode comme ça. Non mais comme ça regarde. Akai c'est à toi. Comme ça en mode. Tiens, je suis toujours debout. Je peux me déplacer de combien déjà hein? Déplacer de 8 mètres sans souci. Ouais, donc tu peux aller au corps à corps. Pour une petite tranche de jambon. Donc tu fais attaque en mêlée. Est-ce que tu mets un petit peu de dextérité ou est-ce que tu préfères y mettre toute ta force? Je sais qu'il y avait toute sa force. Je sens que je vais découper une bonne tranche de fleurets voilà, nichons brisés. C'est attaque en mêlée et force. Voilà, c'était sûr qu'il avait sa force, Akai, on connaît. Et là, j'ai envie de me défendre. J'ai envie d'esquiver.
Non. Malus moins 2 quand même. Parce qu'il attaque dans, mon dos quand même. Alors je fais quoi? C'est avec la lame, c'est ça? Non, comment je fais déjà? Attaque en mêlée, tu fais attaque en mêlée avec ta force. Et le bonus de dégâts se rajoutera si tu réussis ton jet de... Oui, attaque de mêlée, combat corps à corps, c'est ça? Bah oui, c'est force, attaque, attaque mêlée et force. C'est attaque mêlée, force. Tu mets plus au corps à corps. C'est mêlée, hein. Ouais. Mêlée et force. C'est parti, pas de malus, pas de bonus à mettre. Les malus vont s'appliquer sur le gorille. C'est parti. 4. C'est bon, c'est un massacre. L'esquive, attention. Oh un... Pardon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. J'ai pas compris. C'est une... Pourquoi il y a eu... Ça fait peur. Non, mais parce que j'ai pas le... Faut juste regarder, hein. J'ai fait... Non, j'ai fait un échec critique, en fait. Il est dans mon rétine. Alors là, je vais couper des belles tranches fines. Il commençait à courir tellement il avait peur, il entend Akai fuminer, courir derrière lui. Il essaye d'accrocher, parce que là, c'est une espèce de petite falaise quand même. Hein. Il essayait de s'agripper, mais c'est un mauvais caillou. Et la pierre le fait descendre pile au moment où tu abats ton épée. Reviens là. C'est un mushroom de Donkey Kong. Je vais mettre le petit symbole qui fait plaisir. Mais du coup, on est d'accord que Neltolio, il est à côté de celui qui est assommé aussi. Enfin, le deuxième. Yes. Il n'est pas assommé, il n'est pas capable. Il n'est pas juste... encore assommé. Il tient un peu. Non, celui que Akai vient d'assommer, il lui a sauté dessus aussi. Non. Non. Non, non, il a changé d'avis en voyant qu'il était... Ah, d'accord. J'ai cru qu'il avait continué son attaque. Dans la gorge et seulement à l'épaule, ben voilà. Quoi. Du coup, après, il a donné un coup de pied au niveau de sa mâchoire. Ok, t'as renoncé à attaquer l'autre. Ah, je perds un point de magie aussi, vu que j'ai ma. Ah, moins 4, ça veut dire que t'as utilisé celui-là en 5. Ah oui, ton point de magie, effectivement. Mais. Pour mettre ton Akai, il avait fait 8, il a mis une seule action. Du coup, là, tu peux déjà décider. Est-ce que. Bah, tu verras peut-être en 2 suivant ce qui se passe. Mais c'est au niveau du 2. Qu'il faudra que tu décides si tu gardes ton épée ou pas. Garde-toi ça en tête, tu me diras. Parce qu'il peut se passer des choses entre temps, donc... Bah mon dieu, si jamais tous les autres sont KO... Mais oui, je sais que t'as rien. Mais tu me... c'est en 2 que ton sort peut s'annuler. C'est la fois dernière, tu sais, t'avais créé ton épée en 3 ou en 2, là. D'accord. Ah. Donc tu me rediras à ce moment-là, parce qu'imagine, ils ont battu tous les singes, ça sert à rien que tu dépenses ton... Et sort tout de suite. Ou toi qui attends qu'il garde sur le côté, on attend... Okay. Reggie qui va me piquer le gorille, il y a un PV. Non, là c'est mon tour, hein, moi là. Ah non, 7. Là c'est Reggie. Non, il y a Reggie devant toi. Attends, mais... Elena, je te remets sur le 6 parce qu'on te voyait. Sur le 6. Non. Alors. Non, moi j'étais 4, 3 et 1. Sur le 6, ce frérot, elle avait fait 8. Du coup, j'étais 4, 3 et 1. Non, t'as un babouin sur le 6. Il y avait un 6 en trop. Mais ouais. Il y avait un 6 dans le noir, je l'ai sorti, mais... Ouais, c'est genre quand c'est, on a... Je crois 4, 3 et 1... Il y a même un pion d'Akai, 4... là, sur... Mais 4, 3 et 1, ça fait 7. 4, 3 et 1, ça fait... Non, ah non, ça fait 8. Non, j'ai rien dit. Ça fait 8. Bah alors, le MJ. Donc Reggie va... Mais pourquoi Akai, il est là? Mais le seul qui a pas de points, c'est terrible. Pourquoi il y a Akai, là? Qu'est-ce qu'il fait, Akai? Je sais pas, faut le retirer, c'est à mon avis. Non, voilà, le maître. Mais pourquoi il y a Akai dans le noir là? Je vois Akai noir là. Alors vas-y Reggie. Oui bah écoute, je vais attaquer bah le singe qui est à côté de moi. Bah, hein. T'as ouais. Mieux le faire. Voilà, celui-là hein. Vas-y. Et puis bah je vais lui faire un... Comme ça va être plutôt du corps à corps, donc c'est plutôt du... Lacération de glace, du dragon de glace. D'accord, là, il sent déjà que c'est ton... Oh, un sort, il lui reste un PV, meuf. Hein? Bah oui, bah, et moi, faut... J'ai... Enfin... Alors, je lui mets un punch pour éviter de prendre ma magie, non, mais, ça peut aussi, s'il n'y a plus qu'un point. T'as foiré quand même 2 fois d'affilée. T'as aucune lacération du dragon de glace qui est passée, en fait. Allez, et bah, justement, je persiste. Bah, vas-y, bah, écoute, vas-y, persiste, c'est bien. Persiste. Et boum! Oh purée, j'en ai marre. Non mais il veut pas celui-là, hein. Tu me l'as maudit, hein. Quoi?
Je te teste. Allez. Coup de dieu pour ma petite régie. Ah là là. Non mais c'est pas vrai, comment ça se fait qu'il passe jamais? Bon. Et donc. Bah j'aurais dû lui mettre un punch. Ça m'aurait évité de gaspiller de la magie. Que t'as retiré ton petit sort. Hein? C'est le bleu pour retirer ton point de magie. Bah oui, mais je peux plus cliquer sur mon perso. Ah, moi, faut que je retire mes points. Tu peux plus cliquer sur ton perso. Tout à l'heure j'ai réussi, mais là il le prend plus. Attends. Ok, non, c'est bon. C'est bon. Du coup, maintenant je suis à 8 en magie. C'est ça. Ok. Alors. Après, bon, je vais aller me coucher, moi je crois. Après, j'en ai marre. Reggie, n'oublie pas que tu as aussi. Ah, j'ai mon point de frénésie. Donc tu peux relancer un dé en échec. Oh. Si ah ouais. Oui, je vais relancer un dé. Je lance un dé quoi? Tu fais un dé 10. Dé 10. Hop, puis il reste là. Lacération de glace, si je me trompe pas, il y a un. Ouais, allez, vas-y, je vais me coucher, moi. Elle passera jamais. Sa lacération. Pas grave. C'est terrible. Terrible désillusion. Non, mais. Je vais vous montrer comment on fait pour beauté du bavard. C'est pas ma soirée. C'est pas ma soirée. C'est, donc, bon, il a c'est magnifique. Est-ce qu'il va se ressaisir du coup pour s'enfuir le singe? Aucune idée. C'est à son tour là aussi. Parce que là, il est quasiment KO. Il a pris un coup dans les os. On s'en fout. Mais un coup dans la mâchoire quand même. Oh! Mais qui voyage? L'inspecteur Bono. Du Fleury-Michon. L'inspecteur Bono. Donc, il y en a un qui arrive. Il y en a un qui arrive. Et qui était positionné, mais c'est l'œil de lynx d'Elena qu'il avait vu arriver dans le turn order alors que le MJ s'était trompé. Ah. Donc, et du coup maintenant celui qui vient de se prendre un coup de pied de Nail, qui a failli se prendre un coup de... Alors je me permets de te reprocher, Reggie, parce que quand même ta lacération, il fallait que tu sois au corps à corps. Je pense que t'es soit là. Ouais, je me suis rapproché, ouais. Et du coup, comme tu as raté ton jet de lacération, le gorille te voit. Oh non. Et il est quand même partagé entre vous deux. Il y a entre pas... Reggie alors, ou un, Elena, c'est un, ça va être... Non. Un, ça va être Nail, oh, deux, non. Ça va être Reggie. Et ben du coup, merde, c'est un. C'est quand même Nail qui va prendre. Pardon. Enfin, qui va prendre. Il va pas s'enfuir. Alors, j'aimerais bien reprendre. Bah, est-ce qu'il se ressaisit parce qu'il est quand même sonné par le coup dans la mâchoire? Il est resté un point de vie. Il est pas c'est à ça, je sens, je me sais. Pas vite. Un peu étourdi, sonné. Un animal blessé peut être très agressif. Un coup dans la mâchoire, ça étourdit. Ouais, mais bon, c'est un singe, je sais. Attends, ouais, hop. Ouais. Je suis quand même artiste martial. Oh, ça y est, ça. Le personnage est artiste martial. Bah, si je fais un jet comme ça, parce que ça compte comme ça. C'est un. Ah, quel. Ça fait un. Tu vois qui arrive sur toi, te donne un coup. Touche quand même. Par contre, tu sens qu'il a vraiment plus de force. Parce qu'en gros, là, il fait pile le seuil, donc la marge et tout, ça fait pas grand chose. Tu prends un petit point de dégâts, mais clairement, il a peut-être donné la dernière chose qu'il pouvait donner. Coup de l'année. Ouais, non, mais c'est ça. Et je fais. Coup de l'année. Tiens, donc. Maintenant, c'est à Elena. Oui. Pardon. Elena, si je rappelle, a un point à égalité avec Akai, qui a deux actions. Oh putain, non. Quoi? Vas-y, non, là, du coup, le sage qui vient d'arriver, il a pas envie de taper quelqu'un ou il est juste arrivé comme ça pour l'instant? Il est trop loin pour le moment, en fait. Il vient juste d'arriver. Il vient d'arriver. Oui, non, mais je demande. Non, il veut juste que je vienne le latter et il va repartir. Par contre, il a la portée ou pas? Attends, normalement, hop. Non, la règle. Là. Oui, mais attends. C'est où? La règle. Quatrième. Oui, quatrième, pardon. Voilà.
C'est la portée des flèches, je crois, c'est 12 mètres. Large, il est large. Ouais, il est large. Il est large, ok, c'est parfait. Parce que. En plus, ça, il y a strictement rien là. Je savais plus c'était combien. Là, avec ses actions, elle peut fumer deux singes plus facile. Du coup, je peux essayer de tirer une flèche. Attention à tirer allié. Hein. Ouais, bah se déplacer avant. Qui c'est qui est en train de faire le truc là, la règle? Ouais, bah c'est moi. Ah, ok, je me disais. Tu peux te déplacer un peu avant. Oh. Échec critique, faut faire moins quelque chose. Ça va. Ouais. Eh ben, va faire moins deux. Non, oui, mais bon, c'est, en général, ces lancers de flèches sont très Monsieur efficaces. Monsieur Akai, vraiment. Attention, parce que je te lance une flèche sur toi si vous. Quand elle est dans sa spé, elle assure hein, la petite mini. Hein. Ça mange la flèche. Non, Et je mets un petit. Je marche mal au-dessus, puis avec un petit. Ouais. Tu peux te déplacer qui te part par là, tu vois, et genre choper les deux singes. Bon, après, malheureusement, tu seras à portée de celui-ci. Bah, je peux autant que je. Autant je tiens une flèche sur celui-là, vous êtes là entre lui, alors autant que ça va. Non, mais tu vous peux êtes... choper deux points. Enfin, c'est comme oui, mais je préfère quoi faire là que là, vous êtes okay, tous les deux vas-y, dessus. Vas-y, je vous laisse. T'as trois actions, ma vieille. Je vous laisse tu peux te placer, tirer, te barrer. J'adore comment ah ouais, compte. Comment compte Nunu. Il compte en kill. tu peux avoir deux points qui dit. Tu peux avoir deux points. Je peux avoir celui-là. Celui-là, il me barre. C'est à quoi je vous laisse tout seul. Non, mais je veux dire te mettre hors de portée du singe. Oui. Genre, il doit faire quoi du 16 mètres grand maxi, un truc comme ça. Et toi, tu peux faire des déplacements. Il doit pouvoir. Mètres, voilà. Voire même plus. Genre, ouais. en truc normal, c'est 8 mètres, c'est ça? Ou c'est au-dessus? Ouais. Truc normal, c'est 8 mètres. Donc, mettons, ouais, tu peux faire genre quelques mètres ici. Genre, attends. Fais voir la règle. Là. Oh. Mettons, je te suggère, c'est juste une suggestion. Tu peux faire 5 mètres, d'accord? Tu peux défoncer le singe, tirer sur le singe, te barrer de 5 mètres, tu peux faire jusque là, d'accord? Ouais, non. Et de là, tu serais 15. Dans la portée du singe, mais non. Un peu plus loin. Non, désolé. Tu vas faire quoi du coup? Alors, je vais plutôt avancer un tout petit peu jusque là. Ouais. Et je vais tirer une flèche sur le singe. Sur le singe de gauche, ok. Parce que vous êtes tous les deux conclus, attends, je vous laisse. Bon, c'est plus simple. Ouais, mais Richie. Parce que imagine. Oui, mais... Non, mais en vrai, si pour le point, vraiment, je préfère que ce soit toi qui prenne mon point plutôt que ce soit Reggie. Je préfère laisser Reggie. Parce qu'imagine, il y a d'autres. Désolé, Yuri, mais. Imagine, il y a d'autres autres singes qui arrivent sur le côté, on sait jamais. Non, ok, d'accord. Alors, du coup. Après, techniquement, est-ce que Elena et Reggie ont vraiment envie de jouer à ce jeu? Je ne sais pas. Non. Non, moi, j'ai pas envie de jouer. Non, clairement, je m'en fous. C'est elle de taper sur le singe, je laisse faire, c'est tout. Nous... Elles le savent pas, mais elles sont en train de jouer là. Nous, quand on fait des combats. Perso. Nous, les meufs, on fait un combat, on fait un combat normal. On joue pas à celui-là qui fait le plus fort de points. Hein. Oh, le but, c'est de tous les battre, peu importe voilà. Qui quoi. Voilà, que Akai et Naito Yu, c'est essayer celui-là qui va faire plus de points. C'est jamais 1-0. Bande de nazes. Dépêchez-vous, j'ai le deuxième carry. Alan a déjà buté un, ça fait un partout. Bon, du coup, je peux. Le divin, je peux avancer mon personnage et après faire le lancer T du coup. Oui. Ok, du coup je vais mettre à peu près. Non, c'est pas toi. Là à peu près, je pense que ça devrait aller. Ouais, c'est ça. Ok, non. Ça marche. Non, là un peu plus. Là, ouais. Ça devrait aller là. Le problème c'est que là. Ouais, bon, ça marche. Ok. Oh, Ça marche. Du coup, alors. Celui-là qui vient d'arriver en fait. Et ça marche. Du coup, alors, personnage... Moi, je suis déjà dedans. Distance, dextérité. Ah bah, je suis déjà dedans parce que j'ai fait déjà le coup. Bon, y a rien de bonus malus, y a rien à mettre, juste à faire, c'est bon, hop. Alors, du coup... 3. Ah, c'est pas terrible. Quoi? Tu m'as habitué à mieux, Nini. Quoi? Tu m'as habitué à mieux, Nini. Pardon? Tu me tires pas, Nini. Pardon. C'est quoi ça? Sur ta flèche qui vient le toucher au niveau de l'épaule mais qui ne se plante pas totalement. Pourquoi les sages, c'est toujours les épaules qui se font toucher là? Le MJ aime bien les épaules quand c'est un peu foiré. Hein. Ouais. T'as pas fait beaucoup de. Si tu veux, ça peut être la main. Ouais, la main, c'est vrai. Ou le pied. Ou le genou. Allez. Les fesses. Et non, il est haut de face. Pas. Tu peux ça toucher les fesses, il est de face. Je plaisante. Oh là là. Ouais, enfin, ça va se retourner. Boum. Ah, le zizi. C'est la flèche de l'une de fesses. Quand la flèche est passée comme ça, elle a fait.
Ch'tong. On n'est pas dans le truc avec... Et hop, la flèche, elle suit le sifflement et boum, dans les fesses. C'est Matrix ? Non, ouais, le truc d'avant. Gardien de la galaxie. Voilà. Gardien de la galaxie, ouais. Hop là ! Allez ! Du coup, tu le touches dans l'épaule. Voilà, quand même, c'est dans les fesses. Voilà, je l'avais dit. Dépêchez-vous, il y a 3 points pour Rose bientôt. Je l'avais dit, parce que je sentais qu'elle avait un deuxième qui arrive, et voilà, je le dis. Non, mais non. Jamais 203. Il arrivait en fait au moment où t'as tiré ta flèche, tu l'as vu arriver en même temps que l'autre débarquer. C'est ce qui fait que t'as été un petit peu déconcentré et que tu n'as pas touché correctement ta cible. Et du coup tu as encore une action. Ouais. Tu peux retenter. Il a pris combien de dégâts du coup le singe? Il a pris 1. Pardon ? Parce qu'il ne se défendait pas. Mais j'avais encore potentiellement, j'aurais pu dépenser une action pour le protéger, mais j'avais pas. Je vais la garder pour Akai. Ce système craint vraiment. Ouais. C'est terrible. Ouais. Oh mon gars, vous êtes top, qu'est-ce que je vais faire ? Et je peux pas faire un truc où je lance deux flèches en même temps, non, ça marche pas ça. Peux chaîner tes... Ah bah non, t'as pas de dé de frénésie. Peux essayer de chaîner tes deux actions. Ou alors tu peux accepter un malus de moins 2 sur ton deuxième jet, tirer ta deuxième flèche sur l'autre. Et ça te fait un malus de moins 2. Ouais, mais j'ai peur que si je le fais, ça rate et... Bah en temps, j'essaie de relancer une flèche sur... Même vu que maintenant le truc est arrivé, c'est bon, je massacre le premier et plus tard bah, j'essaie d'avoir le deuxième. Je pense qu'on va faire comme ça, hein, parce que si je te gâte le malus, on sait jamais. Hein. Attends, je t'ai dit. Ah non, tes flèches elles font plus 1 avec ton arc, c'est ça? Ton arc fait plus 1, je crois, attends. Attends, ouais, mais ta fiche elle veut pas s'afficher sur mon PC. Bah bon. C'est où qu'on voit ça? C'est où ça? Si tu veux, je te... En équipement, dans journal. Elle doit avoir un truc qui s'appelle équipement. Arc permet d'attaquer jusqu'à 25 mètres. C'est un mec, 10 flèches. C'est tout. C'est les flèches, du coup, qui ont le plus 1 en dégâts? Pas du tout. Bah, on sait pas, en fait, il y a marqué juste 10 flèches dans le journal. Voilà, arc, distance 25 mètres. Donc, c'est pas... Donc, t'as pas de bonus, donc c'est bien. Du coup, t'en as tiré 2, je me rappelais plus, je t'avais. C'est ta troisième flèche, hein, il t'en reste plus que 7. Ouais. Ouais. Oh. Mais elle en a pas ramassé une? T'en as pas ramassé. T'as pas ramassé celle-là? Je me rappelais plus. T'es deux flèches dans. Non, je crois pas. Après, t'es... Bah après, si t'es pas loin pour aller la récupérer. Voilà. Et puis même si j'ai presque plus de flèches, je peux normalement refabriquer des flèches avec mon truc. Bois, ouais. Voilà, alors c'est pas mal aussi. Dans la forêt, là, niveau bois, on est. Et puis même, je suis. Et normalement, je suis plus forte vu que je suis un peu sensation avec la forêt. Ça va pas te rajouter des bonus. Qui sont. C'est vrai. T'as tes sens qui sont. Qui sont un peu. Un et en plus, avec tout ce que. Voilà, je suis. Voilà. Oh. Par contre, n'oublie pas que tes sorts de transformation ont une durée, donc ta flèche, tu l'as créée avec du bois, mais il faut que tu la tires relativement vite. Ça va pas durer le temps de traverser toute la forêt. Tu transformes un énorme rondin en flèche, en petite flèche. Tu mets la flèche, elle transperce la peau et ça se transforme en rondin dans le gorille. Ah. Alors, c'est l'échange équivalent, donc un rondin, ça va faire beaucoup de petites flèches. Le sage. Dommage. Ok, il me fait bouger. Donc, Est-ce que tu tires encore une flèche? Ouais. Du coup, je refais un lancer de dé. Sur lequel? Oui. Bah, je tire sur lequel? Le premier, vu qu'il s'est pris déjà une flèche, autant continuer sur lui, je préfère. Et après, sinon. Après, on va prendre le deuxième. Tire-nous une autre flèche. Alors, il y en a. Hop. Alors, c'est toujours pareil. J'ai. Attention. S'il vous plaît. 4. Ouais, voilà, ok. Un de plus, ouais, bon. J'aurais préféré un peu mieux. Oh, il a fait 3. Ah, il a voulu se défendre. Oh. Non. J'ai pas voulu me défendre. Il a voulu esquiver. Donc, tu tires ta flèche sur le petit Kiki qui est là. Donc, le petit Kiki ne va pas se défendre. Donc, en fait, ton dégât, tu passes dans les dégâts maxés. Hein. Donc, le seuil de difficulté, c'était 1 pour le toucher. Donc, t'es à 3. Il n'y a pas de division par 2, il n'y a pas de calcul. Donc, là, il prend directement. 3 de dégâts
brusque dans la tronche. Par contre, oui. Suite au cri de douleur d'un Balkan, il y en a un autre qui déboule. Et qui fonce sur Akai qui n'a plus d'action, Akai qui du coup, lui aussi va se prendre un petit coup de poing. Bon bah malheureusement, tu ne prends que 2 de dégâts. Deux, je vais en rendre 20 moi, je vais le boomer ce truc. J'ai même plus besoin d'aller chercher, il y en a un mois, parfait. Je vais résumer une petite usine de jambon. Ah, voilà. Donc, est-ce qu'il vous reste des actions? Oui, il reste Reggie et il reste Elena. Du coup, le 3, il faut l'enlever, du coup, normalement. Ouais, le 3, tu peux l'enlever. Non, le 3, il faut l'enlever. Il reste juste le 1, c'est tout. Ok. Du coup, il reste combien au singe, s'il te plaît? Bah là, techniquement, pour vous, vous ne savez pas. Vous ne voyez pas les autres. Je me refuse un point de magie. Je garde la lame. C'était garde un la lame. Alors, le coup de ta lame, ça dépend de la qualité de la lame. Elle est plutôt pas mal, je crois. Que ouais, moi, c'est la Deutsche. Moi, c'est la Deutsche Qualität. Hein. C'est un forgeron. C'est de la Deutsche. Alors, attends. Je vais reprendre ma note. Donc, t'avais un plus un. Donc, t'avais une marge de 2. Et du coup, t'as l'âme des deux déforges. Il y a le coup dedans. Hein, de... Ah, moi, elle s'affiche pas. Il avait fait 4 au total sur la lame du deux déforges. Voilà. Donc, c'est au moins 2 PM. Je me rappelle plus du coup précis, mais c'est écrit dans ta fiche. J'arrive pas à la fiche. Moi, ça mouline dans le vide. Alors, coup PM 2, ouais. Let's go. Et ben, moins 2. Attends, le sort dure un tour, il est possible de le prolonger en investissant à la fin du temps imparti des PM suivants. Moitié du coup de base du sort arrondi à l'entier supérieur plus marge de réussite. Donc ton sort il coûte combien de base? 2. 2 plus 2 parce que t'as une qualité, t'avais une qualité de 2. C'était le bonus de dégâts que t'avais. Donc t'as moins 4. Donc là... Tu peux enchaîner. Oh putain, ça peut faire mal si t'enchaînes les attaques. Ah, il va pas faire long feu, je pense, le babouin. Hein. Ils vont pas faire long feu, c'est des singes. Donc, du coup, là, je perds moins 4. Ouais. Moins 4 de mana ? Sérieux ? Ouais. Ça coûte cher. Ah, parce que l'épée est de bonne qualité. Ah, tu vois, je vais faire un gros jet, je vais faire que des petits trucs de merde, je vais faire coup d'épée, 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 hop, 5 babouins en moins. Mais il peut faire que des coups d'épée, tu peux pas faire autre chose un peu pour changer, parce que coup d'épée, je viens de payer 4, 5, je sais pas combien de points de mana pour garder ma lame Deutsche Qualität. T'inquiète. Ouais, t'inquiète, la lame c'est ce qui fait le plus de dégâts là pour le coup. Ouais, bon, ça va alors. Donc il va pas... Non mais au cas où s'il y avait d'autres trucs qui pouvaient faire aussi beaucoup de dégâts, quoi, on sait jamais. Du coup, c'est donc si, il peut faire d'autres trucs qui font des dégâts. Mm. Donc, nouveau tour de Frenzy. Non, Reggie. Ah non, il y a Reggie et Elena, c'est vrai. Bah, voilà. Ah bah bravo, merci. Hein, bah, voilà. Il a trop hâte que je découvre. Allez Reggie. Allez Reggie. Non mais... Je vais pas faire une attaque, je vais juste lui mettre un point parce que j'en ai marre que mes... Caresse. Non. Oh, mais attaque c'est bon, au corps à... Force ou dextérité, ça dépend ce que tu préfères. Attends, combat au corps à corps, qu'est-ce que j'ai? Dextérité 2 et force 3. Ah, bah, ça va être force. Voilà, tu vas y arriver, Miyori. Oh non! Oui, Miyori, t'as réussi. Oh non! Elle a fait combien? 5. J'ai fait 5. Bravo, voilà. Miyori. C'est mieux que quand je fais mes griffes de classe. Ah ouais. Bah c'est clair que tu réussis beaucoup plus. Ah mais c'est si auto. Les jets de force, elle les a réussi. Vous vous souvenez quand elle a German suplex le Devilman, enfin Devilwolf du coup. Oui. Ouais. Plus c'était pas volontaire celui-là. on est sur un après ta lacération de glace, après le fait que qu'il est tenté de taper Nel. Je m'énerve. Tu l'encaissais quand même. Bah pff, est-ce ouais. C'est encore une German suplex. Carré qui donne un gros coup de poing dans la tronche du babouin qui est envoyé. Mais non, il est à moi. Et c'est moi. Donc, vous avez pas... Non mais c'est mon personnage. T'as toujours zéro, Ney. T'as zéro. Foutre,
Ils sont tous vers moi. Non, il y en a qu'un vers toi. Il est content. Ça fait un point pour Eddie, un point pour Elena, un point pour Akash. Non mais regarde, je peux taper, je le one shot, je me dépasse de 8 mètres, je tape celui-là, je tape celui-là, je tape celui-là. Il reste Elena encore. C'est bon, ça suffit, monsieur Akail, avec vos points. On sait pas qu'est-ce qu'il fait. Il aussi peut le faire. Non, ils vont donc, juste Elena. Oui. Du coup, Reggie peut enlever son 2, je pense. Ouais. Oui. À toi, qu'est-ce que tu fais? Il me reste 1. Alors, ouais, ça aussi, parce que je le sais, je sais pas combien il lui reste. Il te reste 7 flèches. Ah non, mais savoir, on peut pas savoir combien il reste de vie, c'est ça qui m'attend. Combien de? De vie, au sein, je sais pas. Bah, c'est ça, tu lui as mis 1, tu lui as mis 3, 2 ou 3, c'était 2 ou 3. 3. Donc, en gros, tu lui as mis 4. Le truc, je te l'ai dit, j'avais compté, la bestiole a entre. Elle a à peu près 15 points de vie. À peu près. C'est pas beaucoup. Donc, en gros, là. Avec 15? J'avais compté, attends. Ou alors une dizaine, je crois. J'ai juste envie d'essayer. Non, mais la dernière, je sais que l'épisode précédent, j'avais compté. Non, mais s'ils ont tous 10. Ouais, on a peut-être des plus forts que d'autres. Hein. C'est des mêmes créatures, donc s'il n'y a pas de modification sur la créature ou sur le token. Ils doivent tous avoir le même nombre de vie. Non. Voilà. Ouais. Dire sur lequel. Du coup. Ok. 3. T'as pas réfléchi au truc? Ouais, attends. Le Rinken, j'avais. Attends. Ah purée, non, je peux pas faire ça. Je vais faire ça. Un Thunder Kick. Et déjà, monsieur MJ, je sais qu'est-ce qu'il va faire. Il restait 1, donc ils ont peut-être 8 points de vie finalement, je pense. Du coup, j'ai envie de tenter le truc que j'ai pas fait juste avant parce que ça me titille. Vas-y, quoi. Le truc avec mes flèches. Hein? Le truc avec les deux flèches. Tu vas vraiment tenter les deux flèches? Ouais. Là tu peux pas parce que t'as pas deux actions. Non mais genre prendre deux flèches. Tu peux même pas attendre. Les mettre sur son arc, tu sais, et tirer les deux flèches en même temps. C'est un peu comme Legolas, il a déjà fait ça. Du coup je peux pas. Ouais, mais elle pourrait si elle avait deux actions. Allez hop. Ah, juste une flèche quoi. La prochaine fois. Dommage, t'as pas le dragon dans League of Legends. C'est un objet genre sur H et ça lui permet de tirer plusieurs flèches. Oui, mais on n'est pas sur le défi. Ça met un tour. Non, mais c'est marrant. Bah, lol. Du coup, donc. Du coup, bah, attends, je retiens une flèche sur le. Son barbouin déjà. Bah, ouais. Ça, au moins, il sera KO et après. Ouais, 4 points de dégâts pour le KO. Du coup, autant que je relance. Comme tout à l'heure. Allez, fais-nous ta plus belle flèche. Tiens. T'as combien de dés du coup pour tir de flèche? 1, 2, 3, 4, 5. C'est 3, 4, 3. 6, c'est... 6 plus 2. 3, ok. Dis-moi, je mets qu'un conseil, on en a un en moins. Il a perdu 4, tu vas lui enlever 2. Comment ça? Il commence à ralentir sa course. Mais mais il est encore debout. Ouais, voilà. Et du coup, ça va probablement se jouer sur le tour suivant. Qui arrive là tout de suite. D'être frénésie. Putain, résultat. Alors, je remets le turn order. J'efface le turn, les tours. Normalement, c'est tout posé. Ok. Là, on a 4 et 1, 5. Du coup, Reggie et le MJ vont devoir écrire. Donc, ah bon? Ouais. Ok. Miyuri. Ouais. Je réfléchis. Attends, qu'est-ce que je peux faire? Essayer de voir, par exemple, pour toucher ça. Je l'ai déjà touché pour essayer de peut-être. On sait jamais. Je sais pas. Au cas où. Bah justement, c'est ce que je regardais. Le plus proche, c'est celui qui est à côté d'Akai. Ah. Ok. Ouais. Après, t'as un hurlement. C'est quoi la portée de mon hurlement d'ailleurs? Après, ouais. T'attends. Bah c'est 11 mètres. Bah c'est ce que j'y pense. C'est écrit dans ton sang. Non, justement, je vais voir. Égale portée du score. T'as une ouais, mais t'as un petit bouton pour calculer la portée de ton sort. Ah, d'accord. Bah après, c'est pourquoi je peux plus voir. Pourquoi je vois plus mes trucs? Qu'est-ce que tu vois plus? Ah non, mais il a mis du temps à charger la page de Reggie, du coup, je voyais plus. Ah, c'est aléatoire la portée. Mes sorts tout. Non, c'est pas aléatoire. Ah, d'accord. C'est 12. 12 mètres la portée. Nice. Il y a un arbre. Ah ouais.
attention, allez, hop. Il va faire ah, poum, il va se prendre l'arbre et allez hop. Non, il va gueuler dans l'arbre, l'arbre. Je peux faire. Ouais. Comment t'as fait du coup pour le. Pour comment... Ouais, le hurlement de. De glace, t'as fait comment pour la porter? J'ai pas suivi. Dans ton grimoire, t'as un petit bouton. Et en fait, sur ton. Là, moi, tu vois, j'ai réussissement limité d'effort. T'as le métro, ouais. OPM, coup action, carac, difficulté, mode de portée. Moi, j'ai un, il y a un petit dé en dessous, je clique sur le petit dé. Ah 9 seulement, putain. Je fais moi, moi. C'est parce que ça dépend de tes stats. Ok. Et tu n'as pas des stats aussi. Pas les mêmes valeurs. 9 mètres. Bon, après, tu peux avancer 2 mètres et tirer un tir. 9 mètres. 9 mètres, ça fait tout rond sur le. Ouais. Tu touches de justesse le. Après, tu peux avancer. Elle peut avancer et tirer en doublette. Hein. Non, ça fait pas une double action, ça. Non. Non, pas si t'avances de moins de 8 mètres. Oui, ah, bah oui, alors oui. Ok. Ah, bah si t'avances, okay. Ouais. Mais... Ah, bah je vais faire ça alors. Tu fais attention, tu fais quoi du coup se décaler, par contre. Parce qu'il y a un arbre ici. Bah, on écrit pas ou. Si, faut, ouais, vu que c'est en même temps. Parce que là, il y a. Ici, on peut éventuellement. Donc, comment tu fais pour que. Pourquoi moi je peux pas faire ça quand je vais faire le. Je vais faire le tour pour montrer qu'il y a un arbre. Ah, il faut maintenir. On peut écrire. Ouais. Vous avez fait attention, il y a un arbre là. Voilà. Ça, je voulais faire. Ok, d'accord, faut maintenir. Moi, j'ai oublié ça. C'est rare qu'on utilise ça des fois. 7 3 2 3 2 1 1 Bah, genre, direct. Oh, au revoir, Kai. Et attends, faut que tu soulèves, hein, je sais pas. C'est le singe qu'Elena a touché avec sa flèche. Et hurle. Il n'est pas en armure de métal. Ok, pas de soucis. Okay. C'était au cas où tu me fasses le hurlement, je plantais Akai sur le hurlement. Bah non, parce qu'en fait, je me suis dit qu'Akai voudrait encore. C'est moi qui vais la défoncer. Voilà. Ouais, je sais, mais moi j'avais pas de pitié là. J'ai utilisé exactement ce que tu disais pour m'inspirer sur mon action. Moi, je peux rien dire. Je peux rien contre quoi que ce soit du coup contre ça. Si tu peux dépenser un pour te protéger, du coup, tu vas consommer une action. Mais tu n'auras pas de malus, ou alors tu peux utiliser ton action et tu auras un malus d'autant de cases de la carte. Tu vas stabiliser 3 points, je vais le trancher en 4 si vraiment pas. Mais tu vas peut-être réussir. Je te laisse faire ton. C'est pas assez fort pour ça de toucher. Ton hurlement de glace. Ouais. Vas-y, Reggie, ne te fasse pas. Non, Reggie. Oh, mais j'en ai marre. Hurlement. Non, mais c'est plus possible. Non mais il y a un truc hein, avec les dés, c'est pas possible hein. Ils sont pipés hein. Je t'apprendrai comment faire un hurlement du dragon si tu veux. Je peux relancer un dé vu que j'ai un frénésie. Ah oui. Tu peux relancer un dé Allez. Tu peux relancer un dé par contre. Miyuri, tu vas y arriver. Des 10 ou pas Tu sais de base que tu vas pas faire beaucoup de dégâts. Non mais c'est pas grave, je veux au moins rester. Tu feras 1. Mais tu feras elle un de tes minimum. C'est terrible. Il faut mais histoire de sauver l'honneur. Vas-y. Mais Yori, il faut qu'elle y arrive. Peut-être un des 10, c'est ça? Un des 10, ouais. Il faut faire combien? Non, ça ne veut pas. Hein. Donc je confirme, hurlement du dragon de glace. Non, mais c'est dingue. Je suis mieux au corps à corps, quoi. Bah, bon, alors, vous savez quoi? Je vais finir le sommet, je crois, dans un coin. La même chose que je disais à Nini, il faut viser vraiment vos spécificités en tant que joueur et selon la construction de vos personnages en fait. Là, faut pas perdre espoir. Là, forcément, sur le sort au début, on va se merder assez souvent parce qu'on n'a pas beaucoup de dés sur les sorts. C'est ça. Donc, mais ça va venir plus vous allez spécifier. Voilà, plus on va plus augmenter nos sorts, plus on aura de dés à lancer. Et potentiellement, plus vous allez être bon aussi dans votre magie, plus vous allez avoir des constantes directement. Donc, si vous investissez, mais quand est-ce qu'on gagne l'expérience du coup, quand vous allez faire des choses à chaque fin de mission, en fait. Là potentiellement, ça peut rapporter pas mal quand même ce que vous êtes en train de faire. Pas mal de babouins, ah, bah, d'accord, même se chier dessus, ça rapporte. Ah, bah, c'est génial! Ouais, c'est bon, ça va rapporter un truc. C'est un travail d'équipe là pour le coup. Ouais, moi je les affaiblis et vous les achevez apparemment. C'est bon, j'ai compris. Ouais, c'est ça, j'ai plein de personnes moi. Donc, alors on va quand même essayer de projeter Akai.
Il va se chier, lui. Chut. Alors, tu te défends pas du tout, on est d'accord? Non, non, et qui me soulève. D'accord, mais est-ce que c'est complètement ça, hein? Il est trop confiant. Ah, il est confiant. Qui s'approche de toi, qui te chope par l'épaule. En fait, il y a aussi à dans les épaules. Ah, il s'est chié dessus aussi, le MJ, là, tu sais. Heureusement que j'ai mon plus 3, quand même. Tu n'opposes pas spécialement de trucs. Il te chope, il te projette. Je regarde dans les yeux, je fais j'aime quand on me résiste avant qu'il parle. Résiste. Balance-moi. Sur un arbre, ça va maximiser les dégâts. Profondément. Ça pourrait. Ouais. Mais j'ai pas précisé sur quoi je te balançais. Ouais. Et à la base, je m'étais gardé dans l'idée que je te balançais sur le hurlement du dragon. Mais bon, il y a là. Donc le singe est débile et te balance. Du coup, tu arrives à te rattraper un petit peu, hein, tu fais un roulé-boulé sur le truc, t'as un petit peu de cailloux, de trucs qui t'égratignent, mais pas grand chose. Ouais. Juste des petits trucs. Et t'as ton regard vénère sur ta cible. God mode activated. Qui du coup se dit oups. Tu sais, genre. Ouais. Et là, on fait grimper le mercure. Ouais, et du coup, c'est à Nail Toll. Attends, juste deux secondes, je vais regarder un truc d'abord. Alors, on est comment? Reggie, t'avais deux pastilles ou t'en avais qu'une? J'en ai qu'une. Attends, oui, il faut l'enlever, ouais. Merci. Je l'ai retiré. Ta magie, tu l'avais retirée? Oui, je l'ai retiré, ouais. Pour R, c'est terrible. Ouais. Contre. Enfin, le détruit de frénésie pour R, c'est terrible. Alors, 10. Oh, large. Là, faut que je m'avance un peu, par contre. Bah, du coup, je vais m'avancer un peu. Putain de et merde. Et tu veux faire quoi? Hein? Et tu voudrais faire quoi? Quoi, c'est du merde. Je vais mettre un cutting kick dans les gencives. Je pense que. D'un compris, je pense que je vais essayer de faire une picolée. D'un compris, un mal. J'avance là et je vais lui mettre un cutting kick. Je peux viser une région spécifiquement ou pas? Tu vises une région, ce sera plus compliqué de toucher. Bon bah, je vais juste mettre un cutting kick. J'ai pas encore testé le sort, donc. Personne ne l'a encore vu ce sort. Ouais, juste cutting kick normal. Quoi? Est-ce que je me défends? Est-ce que je me défends pas? Non, je me défends. Il ne voit pas techniquement. Au pire, il regarde Elena. Mais enfin, maintenant, il voit Rich. Check! Il y a 6 de dégâts, je suis obligé. Mais ok. Il y a 6 de dégâts. Voilà. Non, il va... Donc ta marge, elle est de 5 divisé par 2. Il fait 2, donc t'as 3 de dégâts, c'est ça? Hein? J'ai pas compris. 2? Ton calcul de dégâts, du coup, tu as fait 3 de dégâts. Parce que ton sort, il fait un plus 1 de base. Tu as 5, c'est par 2, ça te fait 2,5, j'ai arrondi à l'inférieur. Tout ça, c'est écrit dans l'aide de jeu. Ah ouais. Et comme je n'ai pas. J'aurais pu dépenser une action pour me protéger, mais. C'est pas dingue, parce que du coup, en fait, là, par rapport à la dernière partie, genre, tous nos dégâts sont quasiment divisés par 2. Mais en fait, ce que vous avez pas. C'est pour ça qu'il faut bien regarder. Tant que les adversaires ont des actions, les dégâts, vous attaquez des gens qui potentiellement sont prêts à se prendre des coups. Qu'il faut comprendre. Donc là, les dernières fois que vous avez fait des actions, par exemple, Elena qui a défoncé un gorille, le gorille lui avait cramé toutes ses actions. Okay. Donc les dégâts étaient optimisés. Là, pour le coup, vous attaquez des gens, dont en plus vous ne connaissez pas totalement le nombre, puisque vous avez appelé, vous avez fait des choses indiscrètes. On a fait les coups, ouais, tu peux le dire. Hein. Et c'est pour ça que je précise bien que je ne me défends pas pour essayer de ne pas cramer un petit peu tout. Mes actions pour réduire des dégâts que je peux encaisser en fait maintenant. Je me rends compte que je peux encaisser des trucs, tu vois. Ouais, merci, Akai. Mon cutting kick! Il s'est pris le coup. Et en fait, là, il commence sérieusement à avoir mal parce qu'il est tombé un jour à terre.
s'appelle Ken. Celui-là. Non, on s'en fout, Akai. Celui-là. Oui. Parfait. N'oublie t'en pas qu'il y a un qui t'a lancé. Hein. T'en as un qui t'a lancé, je vous rappelle. Bah, t'en as un qui t'a lancé, qui t'a provoqué. Qui... On peut sauter. On peut sauter, trancher en deux, trancher en deux, trancher en trois. Oui. Bon, de manière, c'est Elena qui va l'achever. Donc, ouais. Au niveau des actions, ouais. Je peux pas utiliser mon point pour améliorer mon lancer. Peux utiliser ton point pour améliorer ton lancer, tu ne le tueras pas, je te le dis, mais tu peux lui faire un dégât de plus si t'arrives à faire une réussite. Allez, let's go. De manière, mon point va être. C'est un D10, c'est ça? Ouais. Ah, ok. Genre le MJ qui dit tu ne le tueras pas, de manière. Je te préviens pour pas que tu sois dégoûté. 7. 7, c'est bien. Ok. Oui, c'est bien, c'est une réussite. Du coup, ça se rapproche l'heure du kill. Là, il a tout donné, Nail. Moi aussi, je sais frapper à c'est... distance, Reggie et Akai. Est-ce que Elena va le tuer? C'est ça la question. Qu'elle va rater son jet. Faut juste qu'elle foire pas sa flèche, normalement c'est pas passé. C'est à toi. Fais gaffe parce que t'es pas là, je lance une flèche dans tes fesses. Oui, j'ai dit. Non, mais toujours les mêmes qui foirent leur jet quand même. Confiance. Je te fais confiance pour remporter le deuxième point. Fais gaffe. Je t'ai mâché le travail. Ah bah oui, je suis con. Ouais, je suis con, j'ai dépensé mon action pour projeter la caisse. J'avais oublié. Arrête de vouloir taper la caille. Du coup, c'est. C'est pas le plus dangereux. Mais si, c'est pour ça que je le focus sur moi. C'est bon, on avait battu qui Tiens, hein, calme-toi. Oui, mais je fais attention que ça touche pas Reggie, que ça passe à côté d'elle. Je peux pas toucher la caille. Ce serait mieux. Oui. J'ai pas de bol. Et juste donc, à côté. Tu vas lui lancer une flèche. Ouais, toujours même ça. Là, tu peux essayer de tirer tes deux flèches si tu. Oui, c'est vrai, tu peux vas-y. La deuxième flèche va avoir un malus de moins 1 parce que tu vas dépenser l'action qui est à 4. Ou alors tu dépenses l'action qui est à 3 et tu auras un moins 2. Ou alors suivant laquelle action tu choisis dépenser en plus, tu auras un malus équivalent. Le premier que tu as dit, je préfère. Donc moins 1 malus. Donc tu tires ta première flèche tranquille et tu tires la deuxième avec ton malus de moins 1. Ok, ça doit être d'abord je lance un dé et après je lance un autre dé avec un moins 1. Ah. Mais tu, okay. Genre, tu vas changer de cible sur la deuxième flèche, c'est ça? Bah oui. Ok. Je peux penser. Non, vas-y. Alors. Si tu veux. Si tu sens que le jet est particulièrement bien réussi, je t'invite à changer de cible. Ok, bon, on verra ça. Alors, du coup, premier lancer de dé normal. Mm-hmm. Et alors, du coup, ça fait. Putain, mais elle est. Oh, oh la vache! Change de cible! Change de cible! Mais regarde, elle fait un 10, elle fait un autre 10. Elle a déjà 2 10 sur ses jets. Change de cible. Sauf voilà. Change de cible. Elle est là. Change de cible. Tu prépares. Il prend cher sa mère. La première flèche, tu tires, tu viens toucher en plein visage le singe qui tombe. Non, mais quel singe? Non, genre, tu veux vraiment tu prends c'était le toujours celui-là? Le premier, tu le vises sur quoi du coup avec le 8? Parce que là, tu lui transperces le crâne. Hein. Ouais. Bah, alors, tu transperces le crâne du premier, mais tu ne transperceras pas le crâne du deuxième. Ouais, non, mais du coup, tu vises le deuxième avec la première flèche et tu prends le malus, de manière, vu la réussite, là, ouais. Force la chance. Hein. Je vais faire ça, je vais toucher plutôt celui-là, du coup. Donc, le deuxième. Celui-là. Voilà. Il a rien demandé, c'est il s'est pris une flèche, ce con. Oh, non, mais... Bah, il était là, hein. Il était devant moi. Il était en face, désolé. J'ai pris une flèche en plein bide. Tiens, tu vas. Il est en négatif là, vas-y, achève le spike, Nini, le spike. Oh, tu te calmes. Tu tires l'autre du coup? Faut que tu chèves l'autre avec un malus de moins 1. Du coup, là, faut que je relance un dé, mais avec un moins 1. Voilà, c'est ça. Alors, tac. T'as juste pas à te foirer avec un 0. Alors, tac. Du coup, malus, moins 1. Ouais. Espérant que ça foire pas trop au niveau du calcul. Ça, mais c'est comme ça. Attention. Ça va. 4.
Je sais pas s'il a compté le plus moins 1 du coup. Attends, 2. Un moins 1 quand même. T'as fait, alors. T'as fait. Attends, 3. Si, il est 5. Moins 1. Ouais, c'est bon, il est moins 1. Il est compté. Oui, il est là. Il est là. Donc elle a fait 4 quand même. Donc tu, tu tires ta flèche qui vient se planter dans la gorge du gorille qui tombe. Oh non, mais vas-y, c'est ce que je voulais dire. Mais qui bouge encore. Quoi ? Ils sont résistants, hein. Mais wesh. Brochette de babouin, cramée dans la poche. Non. Mais si. Mais non, mais sérieux ? Parce que là, elle a, elle, a, elle a fait 4, ça fait combien de dégâts, du coup ? C'est 4. Il faut 1. 1, c'est le seuil de réussite. Donc elle a fait une marge de 3 divisé par 2, 1,5. Et lui à l'inférieur, ça fait 1. Parce que il peut encore agir. Non, il lui restait 2. 2 points de vie. Il était au sol, il était mal en point, mais il avait encore 2 points de vie. Vas-y. Mais du coup, celui-là où qui s'est pris une flèche dans le ventre, ça l'a juste blessé pour l'instant. Celui à 8, ça lui a mis quoi ? Celui qui a 8, ça lui a mis 3 points, parce que 7 divisé par 2, 3,5. Ok. Ok. Et là, du coup, arrondi. Donc il y a Aka qui va devoir taper en même temps que Reggie en même temps. Et là, Reggie. Du coup. Et il faut suivre les actions coup... en 5 et en 4 de nuit. Voilà. Le rouge aussi. Et le 4 aussi. Le 4 rouge. Le 4 rouge de Elena. Le 4 rouge. De Elena. Monsieur MJ. Allô ? Je suis prêt. MJ ! Pour tirer le 4 je rouge. Je suis prêt. 4 rouges. Ah oui, parce qu'elle a enchaîné, merde. Oui. Donc du coup, il y a Akai, Reggie et MJ qui doivent faire leur action. Ça va. Ouais, je suis pas couché. Je suis prête. Akai, t'es prêt ? Non. Oh. Akai, il ça va faire... Va en fait, Akai 3, va écrire un gros pavé pour ça. 1. Non, t'es prêt, Akai, ou pas ? Je prends. Ah bah non, il est pas prêt. Mais il est en train d'écrire. Mais il a deux points de frénésie, il peut chaîner deux actions. Genre, oui, il est en train en d'écrire. Totalement gratuit. Pas un roman, il est en train d'écrire. Mais oui, forcément, alors, il va chaîner. En mode, je vais vers ce babouin. Il va découper le babouin tout faible. Il va découper le babouin juste derrière qui s'est pris une flèche à 3 de dégâts. Et il va découper le babouin juste qu'il a lancé. En fait, il est en train d'écrire un gros truc en mode, je vais vers le babouin là. Je découpe. Je vais mais sur non, le mais enfin, il va chaîner. Il va chaîner 3 actions avec 2 points de frénésie. Il sera... Elles seront totalement gratuites. Voilà quoi. Point barre. Il va rater. Hein. Oui, il va rater. Mais... Ça ne peut pas dire. Moi, il y en a un qui va rater. C'est bon, je suis prêt. Alors, 3, 2, 1, partez. Alors, on va encore. Je vais le gorille en face de moi, celui touché. Ok, ouais. Pas de soucis. Et alors, ok, je suis. Oui, la dernière fois, je me concentre pour ça. Non, sur l'avant en face, et même en pleine puissance, il me retourne pour faire un hurlement sur lui. Ok, ça marche. Un bon gorge au sol saigne. Oui. C'est pas une action, ça. Bah, c'est parce qu'il peut pas agir. Ah. Elle lui a tranché la carte. Donc. Ah oui, oui. Donc, Reggie. En train de se vider ouais. Tout le sang, il y avait même pas besoin de, lâche, de le frapper. Non, mais en fait, avec Elena, on fait un bon travail. Elle, le, elle les blesse, moi je les achève. Enfin, attends, j'ai pas encore réussi à manger. Attends, eh oh, voilà, je me calme un petit peu. D'accord, ça va aller, Reggie, t'inquiète. Il est ouais. Au sol, il ne peut du tout bouger. Même si tu feras un moins 1, tu peux si je rate. KO, en fait. C'est quand même chaud. Au pire, même avec ton moins 1, tu deviendras à côté, mais il mourra de sang. Tu... Ah mais du coup ça compte pour Nini. Mais je vais l'achever. Reggie l'achève, ça compte pour Reggie. Que l'achève. Voilà. Deux. Donc Akai, je te laisse faire ton... Bah ton jet, hein, sur ce pauvre petit bazar. On s'en fout des points, nous on veut juste tous les massacrer et que c'est... Oui c'est ça. Voilà. Ah mais le joueur s'en fout pas. Allez vas-y. Le personnage non plus. Reggie si elle... Je compte les points. Ah bah toi Akai, vous comptez les points, vous faites que ça. Du coup je l'achève au corps à corps. Bah comme tu veux en fait. Vu qu'il s'est égayé, je pense qu'il va pas pouvoir... Même... Je pense que... Je peux lui faire une petite bichenette. Ping, c'est bon. Ouais. Mais y quand même un peu de force, ok. Fais un petit peu attention parce qu'il y a l'autre derrière encore, on sait jamais. Oui. Ouais. Attention un peu, Reg. Attention à tout. Sinon je suis... Ouais, c'est mon tour, alors. Coup de poing. C'est bon, je l'achève, dans sa gueule. C'est une grosse pichenette. Ouais, non ouais, fou. Ouais, c'est une grosse pichenette. Je suis énervée. Sans. Pichenette, attention. Coup de poing dans sa gueule. Prenez l'ordre de louper mes jets de magie. Pouah.
tu lui récrases la carotide qui était déjà bien explosée. Akai, t'as fait ton jet pour, le... pour ton premier ? Non, mais est-ce que j'ai fait. Un... Non, j'ai pas de bonus, j'ai rien du coup. J'ai de force, pareil qu'on va mêler. Alors, attends, je rush dessus. Force mêlée. Je rush dessus, un petit sourire. Toi, tu m'as balancé. Il est rentré dedans. À moi de te en mettre fait, t'es rentré dans tout ça, ce que j'ai, mon gros. Et je... C'est parti ! Ah bah vraiment, il est tellement énervé qu'il a fait que 3. C'est ça la peine de plus. Non, moi j'ai juste envie de faire un truc, c'est... Attends, je t'en ai rentré un dé, je m'en fous. Mais non, vu que tu vas chaîner oh. avec les hurlements sur les autres. Eh bah j'en ai deux de succès. Ah ouais, c'est vrai. Oui, mais t'as écrit, que t'allais chaîner tes hurlements. Et... Est-ce que... Non, c'est un hurlement, tu chaînes tes hurlements. Bah, t'as dit un hurlement sur les autres, alors après, du coup, on pouvait... Bah oui, parce que je voyais par rapport... chacun, Kai. Ah non, 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 moi c'était un, vu que c'était comme ça, je sais pas si c'était un cône ou pas. Je me rappelais plus. C'est pas un cône, c'est un blast... C'est une ligne droite. C'est une ligne droite. Bah, je voulais tirer un sur comme ça, en fait, c'était ça, enfin, après lequel, du coup, là... Bah, pourquoi je te vois plus ? Mais il a pas un bonus de dégâts. C'est parce qu'il est entré dans le singe, c'est ça qu'on voyait plus. Alors, du coup... Il n'a pas un bonus de reprenons. Dégâts. Il ne se défend pas. Tu fonces dessus, ta réussite, ta marge du coup, elle est de 2. Parce que pour le toucher, il faut faire 1. Ta marge de réussite, c'est 2. Divisé par 2, ça fait 1. Plus tes 4 points de dégâts avec ton épée, ça te fait 5 de dégâts. Ah, quand même. Je peux quand même relancer un dé, parce que j'ai 2 succès, ça me sert donc, à rien. Oui, tu peux relancer. Tu peux utiliser un dé de frénésie pour relancer un dé. Le si moins tu veux. 1 non, bah c'est choisi non, c'est ou pas, ah, non, tu peux pas relancer le moins 1. Ah, ouais, c'est un 0 ou ça. Par contre, attends, je compte. Ça va pas te, ça va pas te rapporter grand chose parce que tu vas être à 2,5 arrondi en dessous, ça va t'apporter. Ouais, bah non, bah non. Okay, ouais. Donc soit après, on peut revoir un petit peu tes exigences. Soit tu l'enchaînes lui, ouais, soit ouais. tu hurlement. Ouais, bon, on va voir ce qu'on fait. Donc c'est là, comme déjà... C'est comme tu sens, tu peux aussi essayer de leur défoncer un petit coup. Et si je prends, si je peux utiliser mes 2 points pour jouer encore 2 autres fois, en gros, c'est ça là, après ça. Potentiellement, ouais. Donc je vais remettre ta coup d'épée, fais un numéro. Fais un par un. Fais un par un, peut-être. Et bah, déjà là, du coup, il prend combien là ? Avec un bon, oh, un bon revers dans les dents. 5. Donc là, tu veux lui retaper dessus ? Bah, du coup, ouais. Et donc, bah, refais un jet d'attaque. Plaisir. Tu dépenses ton jeton. Et tu dépenses quelle action du coup ? L'action qui est en 3, en 2 ou en 1 ? Ça fait l'action qui est en 1. Je suis joueur. Alors vas-y, fais ton jet d'attaque. Attention. 2. D'accord. 2. Ok. Simplement 2. tu l'as déjà blessé, entaillé. Et tu continues, mais tu vois quand même qu'il esquive, qu'il essaye d'amortir les coups, mais que tu le taillades, mais qu'il est encore là, qu'il est encore en vie, qu'il a peur, il souffre, mais il est encore là devant toi. Attends, donc là, sur le premier... Résiste pauvre mais, continue. Résiste. Mais il a pris 5 fois 2, là, du coup. Il a pris 5 sur le premier jet. Non, parce que si tu regardes bien, il a pas le même réussite au jet. Donc il a une marge de 0. Ah. Du coup là, il est à portée d'une dernière attaque. Il est juste sur son bonus sur le premier, donc ça fait 9. Ok. Donc là, il est à portée d'une dernière attaque. Ouais, je suis en train de compter pour savoir combien de dégâts. Je peux encore faire une fois sur lui, c'est ça ? Si on change. Est-ce que tu rends, tu rachèves ce pauvre bonhomme ? Oh, bah bien sûr. Alors vas-y. C'est psychose en fait. Toi, satisfait. Né. Bon, allez, on voit la source là. Mais vas-y, la flemme. Allez, encore un 5 de dégâts. La flemme qui. Et tu l'achèves dans. Voilà. Tellement tu t'es acharné dessus, t'as quand même du sang sur le. Du sang sur toi. Beaucoup de sang, et tu vas me faire un jet tout de suite de discipline sur instinct. Ok, j'ai eu un, mais tout, je crois. Ah, mais c'est semblant.
plus de sang. Toujours dans l'extrême. Toujours dans l'excès. Toujours. Allez, le jet de discipline, il a fait un. Au moment où t'as achevé le singe, t'as quelque chose qui prend au niveau des tripes, t'as une sensation étrange, puissante, qui vient du fond de toi. Tu as un sentiment un peu particulier que t'as déjà ressenti une fois, mais t'as l'impression que le temps autour de toi s'est figé. Tu ne perçois aucune couleur, tout est gris, tout est en noir et blanc. Et t'as une voix au fond de toi qui dit « C'est bien, t'es nu. Ah, oui, d'accord. Gorge mon arme de ton sang et du sang de tes victimes. » Oh shit. Tu reprends. C'est vrai que j'avais zappé ce... On a vraiment un hacker comme ça dans notre équipe. Ça paraît pas, hein. Il faut connaître et un peu reprends, le background y a de ce tout perso qui... pour comprendre. Allez, non. Il y a tout qui reprend couleur autour de toi et ouais. t'as un petit goût bizarre au fond de ta bouche, un petit goût métallique. Blue for the blood god. Du coup, il a plus de points de frénésie vu qu'il a déchaîné ses deux actions. Non. Ouais. Non. Okay. Et du coup, il va avoir Elena en même temps que Akai. En même temps que Akai, exactement. C'est-à-dire qu'on va devoir écrire là. Ouais, tu vas ça. Et vous allez devoir écrire. Ok, bah moi ça va être simple mon truc. Juste Akai, oui. J'ai une question avant que tu agisses. Suite à ce qui s'est passé et tout, est-ce que ton personnage en a rien à foutre? Ou est-ce qu'il est un petit peu perturbé? Bah je sais pas si du coup en frénésie totale ou est-ce qu'il... C'est à toi de me dire. Bah il est perturbé. Ok, tu auras un malus de moins 1. Ouais. Et j'ai. Sur ce tour ou sur les prochains? pour cette action-là, déjà, il aura un malus de moins 1. Suivant ce qu'il va faire avec cette action-là, pourra durer. J'ai une question pour reprendre du mana, c'était fallait poser directement son jeton sur le truc de mana, c'est ça, hein? Oui. Et en fait, le nombre de points d'initiative que vous ne dépensiez pas pour acheter une action, vous récupériez la moitié. Il y a de fortes probabilités quand même que vous arriviez à achever tout le monde là. Si Reggie ne rate pas ses jets, c'est bon. Comment c'est super la confiance. Pourquoi moi? Parce que t'as pas de chance. Bah oui. Non mais j'ai tout ce soir, il y en a un, il m'a jeté un mauvais sort. Miyuri, le corps à corps ça passe. T'inquiète, tu vas y arriver. Bah oui, je crois que je vais continuer avec ça. On a joué sur les mêmes accords. Oh, je sais pas quoi faire. Bon, on va faire ça. Si ça marche pas, tant pis, je vais faire autre chose. On verra bien. Du coup, c'est bon, Kai. T'es prêt? J'ai une grosse faute de frappe là. 3, 2, 1. One. Launch. Si tu veux. Je croyais que t'étais perturbé. Ah oui, justement. Il est perturbé, mais du coup, il se demande qui c'est qui. Ah, il parle à la voix intérieure. Oh là là. Oui, il parle à la voix intérieure, là. C'est moi, imbécile. Mais c'est qui, toi? Mais pardon. Qui es-tu, cavateur? Donc... Ah, je vis ça tous les jours. Elena, je te laisse tirer ta flèche. Et Akai, tu le penses et... Il le crie, là. Il a dit, non, il crie. On va tous l'entendre. C'est-à-dire qu'on va tous entendre... J'ai... C'est quoi? C'est... On va tous entendre de... Qui es-tu? Que veux-tu? On va de bien gueuler. Qui es-tu? La voix! Qu'est-ce que tu veux? Hop. Du allez, coup, moi, je... Défonce-le. Fais ton tir. C'est plus... Tu auras ta réponse à ta question. Bientôt. Oh! Oh, oh damn! Shit! Allez. Mais ça s'est inversé, genre, ça y est, c'est fini. Allez. Petit exercice pour calculer les dégâts, du coup c'est à 7, moins 1 parce que c'était le seuil de difficulté, donc j'ai encore des actions, ça fait 3 dégâts. Ok, tu tires ta flèche, qui vient, lui il avait été blessé par le cutting kit, le cutting... Non, il a juste une flèche. Il a reçu une flèche dans le ventre. Ouais, il a pris une flèche. Et du coup, tu replantes
la même flèche côte en fait, à côte de l'autre. Je suis sûr, j'ai replanté la même flèche sur celle qui était plantée. En fait, tu as la flèche qui touche l'autre flèche dans l'autre flèche. Comme Robin, ça. Yeah. ça aurait pu faire ça. Mais c'est pas grave, ça. Je peux en fabriquer d'autres. Oui, oh. Mais elles sont temporaires. Mais je pourrais faire ça plus tard, au cas où. Ouais, mais après, tu pourras toujours les ramasser. Du coup, Akai, tu t'accroupis. Tu cries. Extrêmement fort. Mais tu n'as pas de réponse à l'intérieur de toi. Est-ce que tu t'attends à une réponse? Est-ce que tu t'attends? Est-ce que tu peux me décrire qu'est-ce que tu espérais à ce moment-là dans... Est-ce que tu m'entends, Hello? Je suis là. J'espérais comprendre. Qu'est-ce qui est pour moi? Te répondre, enfin, qui est en train de répondre, avoir un peu plus d'informations. Tu n'as pas de réponse qui vient en toi, mais je vais t'autoriser un jet de perception sur instinct. D'accord. Attends, donc il avait pris 4. Il avait pris combien sur ta dernière flèche? 3. Il a pris 3 et 3. 6. Oh! Oh, ce jet de perception de l'enfer! Perception de l'enfer. Ouais. Je suis le Kyubi. Tu attendais tellement. T'étais tellement focus, toi, pour essayer d'entendre quelque chose qui pourrait venir de toi ou autre, qu'en fait, t'arrives à scanner relativement bien toute la zone. De chauve-souris, wesh. Et t'entends qu'il y a un petit bruit timide, discret. Qui vient, alors je sais pas si tu vois, qui viendrait de cette zone là. Du coup, c'est pas la réponse que tu voulais. On voit pas le pic, MJ. On le voit pas. Ah merde. On voit pas le pic, ouais. La petite zone. Alors, hop, là vous le voyez ou pas? Toujours pas. Non. Ouais, je suis pas du tout sur la bonne carte. Là vous voyez? Ouais, là on le voit. Oui, c'est ça, si c'est pas la bonne carte. Donc, qui viendrait, et je sais pas, t'as pas forcément fait gaffe, mais ici il y a l'air d'avoir un petit trou, une petite zone, et il pourrait y avoir quelque chose qui bouge à l'intérieur. Oh! C'est peut-être pas Nara qui... Tu y vas pas, tu la... si c'est Nara, tu la laisses tranquille, j'ai pas qu'elle s'enfuit. Pas d'attaque aveugle, on identifie d'abord la menace. Parce que si c'est Nara qui s'est caché, j'ai pas envie... Non, j'ai... Il est trop déconcentré. Il a plus d'action, ça va aller. Parce que l'action vient de dépenser son 3 pour que dalle, en plus. Parce que j'ai pas envie qu'il a fait fuir et que... Allez, en 2, Nini, vas-y, mets-lui une grosse flèche sa mère, là. Le token, il est sur 2 ou sur 1? De quoi, moi? Non, le token... Lui de... Ouais. Ils sont sur les 1. Et sur le 1. Ok, donc vas-y, mets-lui une flèche, achève-le. Il a pris 6 de dégâts. Achève. Bah, moi. D'ailleurs. Allez, survol. J'aurais dû faire des trucs. Ouais, de toute façon, il va me faire ça. Vas-y. Oui, non, mais je le mets bien pour le babouin est mort ce soir. Ah oui! Tu vas lui mettre 2 de dégâts. Et là, je touche la flèche qui a touché la flèche du ventre. On replante une flèche dans le genou. Il tombe au genou. Il te reste 3 flèches. À terre, babouin. Et pourquoi il reste 2 babouins sur. Le token, le MJ a fait un fail. Il a pas supprimé quand il y a eu un mort, il a pas supprimé le bon token. Ah! Bravo! Le babouin se retrouve théoriquement avec. Il est mort, George! Mais je l'ai vu aussi, le problème. Du coup, je ne jouerai qu'une action avec ce babouin. 3 et 3, 6. Soyez efficace. 8. Ouais! Ah oui, parce qu'après. Ne vous mélangez pas les pinceaux. Ouais, vous mettez pas dans la fenêtre de tir de chacun. Alors, alors du coup, mais faut jouer parce que ouais, je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire. J'ai pas trop vu que ça la perturbe. Non, mais si Miyuri est intelligente, ce que je ne doute pas, elle va pas se placer dans ta fenêtre de tir, elle va se placer à côté du babouin pour lui mettre une droite. Ouais, elle se met d'à côté, moi je ne fais jouer. Et toi, t'as juste à tirer. Fais confiance à ton partenaire. Oui, mais apparemment, vous êtes un bon duo. Non, c'est juste que j'ai pas envie de faire mal à Reggie après la salut, bon duo.
Bah nous au moins on fait bien en équipe, on tape, on compte pas les points et tout. Il était à un point près, vas-y, c'est bon, nique. J'en ai marre. J'ai blessé mortellement deux babouins et j'en ai aucun. Oh, c'est triste. Je suis prête. Je suis prête aussi. Je suis prête aussi. Ok. Dans quoi ? Ah oui, c'est vrai, il y a les jupes. Oh, ça pue. J'avais oublié. Allez, 3, 2, 1. Hyper vitesse. Alors, moi, c'est énorme. Non ! La grosse patate, tu vas te positionner où, Reggie ? Attends, pardon ? Je vais éviter la flèche, donc je vais mettre plutôt de côté. Voilà, voilà. J'ai dit priorité. Tu peux pas savoir qu'elle tire une flèche normalement. Mais si, elle sait qu'elle tire une flèche parce qu'elle tire des flèches depuis tout à l'heure en douille. Elle les voit passer. Ah voilà. T'as cru quoi, j'allais changer au bout d'un moment? Reggie n'est pas aveugle à ce que je sache. Hein. C'est pas Reggie Montagnier. Ah merde. C'est nul. Je vous explique ce qui va se passer. Attends. Oui. Si vous faites un meilleur jet de dé que moi, il ne va pas se défendre, donc son. Le jet que je vais faire ne va pas impacter vos réussites. C'est-à-dire qu'il va par peut-être contre, pas faire le si hurle. Fais, un meilleur jet, il va si je fais un meilleur jet que vous, j'aurai le temps de crier avant. Ah. Donc je vous invite tout. Alors, et genre, le moindre gars qui fait le geste, enfin le. C'est-à-dire que au-dessus du babouin, voilà, vous okay. Empêchez les renforts d'arriver. C'est-à-dire ta plus belle flèche. Le premier qui fait au-dessus de l'autre. Si Reggie fait au-dessus d'Elena, c'est Reggie qui a le kill. Désolé, c'est Elena même fait au-dessus. Mais ça, on s'en fout, on a dit. Voilà. Au corps à corps. C'est important pour Nail pour et points, pour Akai. Ah oui, oublie-toi pas. Alors Akai, il est à 2, c'est ça? Ouais. Reggie à 2. Elena. Elle est déjà à 2. À 2. Ah non. Ah non, non, elle est à 1. Reggie et Elena. Soit Elena égalise et tout le monde est à égalité. Sauf ma pomme. Bordel de merde. Bon. Et si vous faites en même temps, vous l'achevez tous les deux. Et vous ne saurez pas qui c'est qui l'a eu. D'accord. Je pense que moi et Régis, on s'en fout des points. Alors on fait le truc, on a le babouin. On vous les oeufs. Ça en fait un en moins, en plus s'il appelle pas de renfort, c'est tant mieux. Voilà, nous ça nous fera tronquer. Sauf s'il y en a un qui fait Aki derrière pour en rappeler. Non, parce que Akai, après, faut qu'on va voir. Akai, il est trop perturbé de manière. Moi, je. Parce que après, dès qu'on a ça, il faudra qu'on va voir tout doucement vers le trou. Essayer allez, de parler. Mais nous, on n'a pas perçu. Hein. Ah oui, on c'est vrai. Des... Il y a que Akai qui a perçu. Oh, funaise. Bah, Akai, ouais, on peut lancer les dés, c'est bon ou pas? Vas-y. Yes. Oui, je suis prêt. Alors, Elena 3. Oh, Reggie 9! Incroyable! Oui, Reggie! Oh oh Reggie, c'est touché! 3, 2, bravo, 1, Reggie. 0! Reggie, trop bien, trop contente. Reggie fait un German suplex. Non mais... Son attaque ultime. C'est ça, faut que je sois énervé quoi. Yeah, il passe il voit... il voit le gorille qui commence à lever la... prêt à rugir, il arrive, il donne un énorme... manchon. Ta gueule. Et il explose au sol. Et au moment où il va, où il s'est pris le coup, qu'il est au sol, il y a la flèche qui vient se planter sur le derrière du babouin. Oh non, Nini, on a dit pas tirer dans la bite. Le derrière. Et il a pas eu le temps de dire aïe. Allez. Mais pourquoi je vais devoir... Non, appelle des renforts, bâtard. Alors. Oh, oui. Ah, Reggie est chauffé là! Mais du coup, si je veux retirer les flèches sur les babouins, je dois retirer une flèche du cul d'un babouin. Oui. Du coup. Oui. Merci. Je peux t'aider si tu veux. On a gagné le combat du coup. Oui, c'est ça. Le combat est terminé du coup. Franchement, vu qu'on on s'est battu, Elena, je vais bien t'aider à récupérer tes flèches. Yes. Du coup, on a quitté le mode combat. Bah oui. Vu qu'il a pas hurlé, il y a plus d'autres bains. Du coup, non. Juste en espérant que Akai nous dit qu'il a entendu une voix pas loin, parce que sinon je massacre. Alors, Akai, parlons-en d'Akai. Akai, tu n'as pas eu de réponse de la voix, à tes questions. Mais t'as senti un truc. Que tu restes perturbé. Non, je vais. Où est-ce directement... que tu commences à te brosser? Ouais. Je vais directement là où j'ai entendu du bruit, aller voir discrètement. Est-ce que tu fais réellement ton rugissement
Non, je suis plus dans le combat là. Du coup, je vais ramasser. Bah, ils sont tous achevés, c'est bon, il est rincé. Je vais ramasser les flèches déjà dans les jambes du babouin 1. Je laisse te déplacer. Pour les redonner à Elena. Bah, moi je vais avec Reggie pour récupérer ma flèche qui est dans son popotin. Ouais, bah écoute, ils sont sur les singes. Je vais mettre là, derrière les cailloux. Là, je vais mettre mon pied sur ses fesses. King! Tu te mets là et tu regardes comme ça sur le côté. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oh ok. Et merde, elle résiste cette conne de flèche, je peux pas l'avoir. Est-ce que tu fais un bruit particulier que t'appelles ou tu jettes un petit. Non. Ah non. Non. Enfin, y a quelqu'un assez doucement, mais. Y'a quelqu'un ? Donc tu demandes si y'a quelqu'un ? Ouais. Y'a quelqu'un ? Oh, y'a personne ! Tu jettes un petit coup d'œil comme ça. Et tu vois du coup que ça se dessine hein, comme une espèce de petit de petite grotte, mais toute petite, hein, tu vois. Mmh. Elle a pas l'air trop profonde, c'est relativement obscur, mais bon, avec tes yeux et ton odorat, tu sens qu'il y a bien quelque chose. Et tu vois quand même des deux petits yeux qui brillent dans le fond, mais des yeux, enfin, tu vois que c'est petit. À vue de nez, si tu me fais un petit jet d'intelligence sur instinct, un serpent. Intelligent, c'est un problème. Oh non, ah, tu dois avoir un ou deux en l'intérieur. Attends, ça doit aller mieux. Ça va, Reggie, t'arrives à enlever les flèches? Ouais. Vous arrivez sans souci à récupérer toutes les flèches. À part celle qui était au niveau de ses fesses, malheureusement. C'est un peu dur. T'as oublié ces deux flèches là, Elena. Sur instinct. C'est perception. Intelligence sur instinct. Putain de merde. Mais y'a pas intelligence. Bon, du coup, au niveau des scores, c'est 3 points. Alors ça, si t'as intelligence. Attends. C'est intimidation. Non, dans tes. Alors attends. Du coup, les gars, c'est 3 points pour Reggie. Je galère. 2 galère. Points pour Akai, 1 point pour Elena. Ça, vous voulez compter. Ah oui, donc c'est instinct sur perception, exact, t'as raison. C'est pas du tout. J'ai dit talent. J'ai dit KK. Il a 4 quand même. 4. Normalement, ça devrait être bon. T'en as déjà vu un. Tout te dire à peu près de cette taille là, et tu peux deviner que ça ressemble à un Exceed. Enfin, peut-être. Pardon, c'est Nara, c'est toi. Akai, qu'est-ce que tu te fous? Attends, mais du coup, on l'a entendu dire Nara. Oui. Ouais, oh, vous êtes loin, Nara. Je gueule pas. On est pas si loin, on a dit. Non, Nara, tu vois, il regarde, c'est Nara. On va regarder. Ouais, mais doucement, il faut pas qu'on récupère les flèches. Ouais, bah non, mais pas comme des bourrins. C'est pas comme de la. Tous les rats. Oh, mais dis donc. Attends, je galère avec mes plans là. Hop. J'aime bien pour un combat. Tout le monde me laisse tout seul dans mon coin. Et puis là, c'est fini. Tout le monde vient là, comme par hasard. C'est la mission en même temps contre le Nara. 1, t'es parti tout seul. 2, c'est la mission. Ferme-la. Oups, et là. Dis celui qui veut faire le concours, Balkan. C'est Nara. Oups. C'est Nara. Petite Nara. Oui. On dit merci qui? Jackie Michel. Oh putain. Mais avec le montage. Ça va figurer, hein, ça. Non, ça va faire Jackie Michel. Coupé. Nara. Attends, j'aimerais bien vous l'afficher en gros. Nara, mais qu'est-ce que tu fais là? On t'a cherché partout. Je ne connais pas, hein, au passage. Non, je connais pas. Non, mais bon, on l'appelle par son prénom. Elle est un peu apeurée, elle voit qu'il y a 4 personnes. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, tu es en sécurité maintenant, il n'y a plus de méchants bababouins. Oh, elle est trop belle. Je vais essayer de la rassurer. Non, moi je trouve que c'est meilleur si c'est une fille qui la rassure. Mais je passe mieux auprès des enfants, wesh. Je suis une fille. Oui, une fille pour un petit fille. Je passe mieux auprès des enfants. Ouais, toi, j'ai eu un sac de billes, je te signale. Ouais, ils sont en train de gueuler devant Nara et c'est comme ça qu'ils lui font peur. Voilà. Non.
C'est, autant c'est moi qui va devant, tout doucement. Nara, c'est bien toi ? Oui, c'est moi. Mais vous êtes qui, vous ? Beaucoup de gens te cherchent, on nous a envoyé te chercher. On est de la guilde de Fairy Tail. On vient de la guilde de Fairy Tail. Bah, je sais pas si elle, elle connaît la guilde de Fairy Tail. Bah, on le dit quand, au cas où. Ouais, bon, elle connaît. Elle était à Magnolia, un peu tout le monde connaît un petit peu le symbole de Fairy Tail. C'est Elodie qui nous envoie. S'appelait Elodie. C'est le MJ qui se rappelle plus du nom. Oh là là. Ah, moi, écoute, j'ai fait le montage de ce matin, donc Oh. Le MJ est tellement... Ah, eh ouais, j'ai les infos, les gars. Et le MJ qui... Ouais, ah oui, elle s'appelait Elodie, mince, j'ai oublié. Je crois qu'elle s'appelait Madame c'est Elodie. C'est comme ça que les joueurs peuvent changer les prénoms des PNJ. oui, ça doit être... Ça doit être... C'est Madame Elodie qui nous envoie. On sait pourquoi tu es ici, tu cherches ton frère, c'est ça. Oui. Ça fait longtemps que je le cherche. Tu l'as trouvé ? Pas encore ? Elle l'a pas encore trouvé ? J'ai repéré une habitation au loin. D'accord. Écoute, voilà ce que je te propose. Les gens sont super inquiets à ton sujet. Et enfin, voilà, c'est pour ça qu'on est ici. Je te propose qu'on t'aide à retrouver ton frère. Et après, genre, tu dis au revoir à tous les copains que tu t'es fait à l'école et à Madame Elodie. Ça te va ? Oui, je suis d'accord. Nara rejoint votre équipe. Ta-da-da-da-ta-ta. Moi, je passe auprès des enfants, alors fermez-la maintenant. Je vais juste à tous vous demander un jet de perception sur un... Oh, je le sens pas. La dinguerie. Ça y est, c'est plus un babouin, ça va être une créature plus costaud. C'est ça. Alors, c'est du coup... Perception sur un... Il y en a qui dégainent vite, hein, le dé. Oh. Bah il était déjà réglé en fait. Bah c'est ça, j'ai l'habitude depuis tout à l'heure. Alors moi c'est... Alors... Akai... Oh j'ai fait... Oh 4. J'ai fait 1. Mais toi les G en dehors du CAC... Ah moi j'ai fait 2. Mince. J'aurais aimé plus. Non mais moi à part taper... Taper, ouais, taper, taper. Taper encore quoi. Perception sur Insta, pas de dextérité ni rien quoi. Bah non. Elena... Oui. Ça va, ça va. Tu fais 3, ça va. Donc, Reggie... Tu ne vois rien. Mais Et alors, c'est un peu violent dit comme ça, mais oui, tu ne vas rien ressentir de particulier. Elena, Elena, toi, ce que tu sens clairement... Tu sentais qu'il y avait une énergie hein, qui se dégageait de cette forêt. Oui. D'ailleurs, ça t'a quand même vachement bien aidé, t'as eu une tête... Tu sens que tes jets étaient quand même relativement... Enfin, toutes tes actions étaient relativement stylées. Mais là, tu reçois une perturbation dans la qui vient du nord. Alors... Ah merde, attends. Hop. Oui, bah... Attends. Toi qui trouves la bonne map. C'est la direction que nous a indiqué Nara ou pas ? Du coup... Bonne question. Oui, ça coïncide avec la direction... Nara d'ailleurs, Nara aussi se met à se retourner. Ouais, il y a son petit nez qui sent qu'il y a quelque chose. Il y a ses poils qui commencent à se. Comme un chat qui commence à avoir un peur. Il y a ses poils qui se dressent. Nail, toi tu sens aussi, mais c'est pas la forêt que tu ressens. Hein, mais tu sens comme une brise qui souffle du nord et qui balaye un petit peu toute la zone. Mais tu sens que le vent est pas bon. Il dégage une aura qui est spéciale, que t'as pas forcément déjà senti quelque part, mais c'est perturbant. Akai, toi par contre, tu te sens extrêmement bien. Ouais. T'as même un élan d'énergie qui gonfle. J'aurais même envie de te battre. Mais vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs. Elena, Reggie. Tu vas juste me refaire un petit jet de discipline sur instinct. D'accord. Ça va être son truc intérieur qui est en mode. Est-ce qu'il va savoir se maîtriser ? Oh punaise. Nail, ça ne vient pas de Akai, hein, ce que tu. Ouais, non, je sais. Ok. Zéro. Donc ouais, ça va être clairement l'envie de se battre. Aïe aïe aïe. Et ça c'est des choses que... Aïe.
Ouais, 0 quoi. Les couleurs ont à nouveau disparu. Non. Et il y a un truc qui te perturbe. C'est qu'il n'y a plus tes amis. Il n'y a plus personne. Il y a juste toi, devant, qui se rapproche, te regarde. Bientôt. J'ai pas entendu. C'était tout bas. Ouais, j'ai pas tout. Bientôt. Bientôt. Nara. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Moi, je veux faire quelque chose. Mais deux secondes, on doit penser à Kai, je crois. Oh. Non, mais c'est bon. Est-ce que tu peux faire quelque chose à Kai? Oui, t'es tout seul. Bientôt. Il n'y a plus un cadavre, il n'y a plus un corps, il y a... T'es tout seul dans un monde noir et blanc. Tu es seul. What the... Je sais pas. je dis rien, je reste sur place. Je comprends pas. À je moi. Quoi? À moi? Deux secondes. Attends que MJ dit après qu'est-ce qu'on va faire. Mais moi je vais faire un truc là maintenant tout de suite. Et à ce moment-là, tout revient en couleur. Il y a comme un ça fait un peu comme un tourbillon. Hein. Tu changes. Mm-hmm. Comme mm-hmm. si autour de toi tout changeait dans un tourbillon, comme si tu rêvais éveillé d'un coup et tout revenait. Et par contre, Neil, vas-y. Nara, retourne dans ton trou. Et Elena, Reggie, reste ici. Akai, tu m'entends? T'es là, Akai? Je claque des doigts comme ça pour faire revenir, tu sais. Pourquoi tu me fous pas une petite gifle pour l'envoyer, ça va le pute? Non. Et c'est là que c'est un peu flagrant hein, qu'il y a eu un léger bug dans Akai. Akai. C'est pas le bug de la matrice, mais c'est un bug d'Akai. Et là, quand tu reviens, Akai. Tu vois Neil qui essaie de te réveiller. Ça va? Vous y étiez où? Quoi? Bah on n'a pas bougé. On était là, on était à côté de toi, Akai. J'étais tout seul. Okay. Bah bon. Non, t'as jamais été tout seul. On était à côté de toi pourtant. Les gars, il y a un truc pas net. Restez avec Nara. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Elena, Reggie, restez avec Nara. Non, Elena, tu vas rester avec Nara. Reggie, Akai avec moi. Akai, je peux te faire confiance? Oui, bien sûr. T'es sûr de toi? Tu vas savoir te battre? Oh oui. Se battre? Mais contre qui? Là, on n'est plus dans le concours, les gars. Il y a un truc, il y a une dinguerie qui va arriver. Du coup, est-ce que je peux dire que j'ai senti un truc vers le nord qui était pas très bon? Mais moi aussi, je l'ai senti. Oui, mais je peux le dire, vu que moi, j'ai senti plus fort, vu que je sens le truc quelque J'ai senti plus fort que toi, donc... Oui, mais moi, j'ai plus que prêt. Moi aussi, je l'ai senti. Toi, t'as senti avec un... Moi, j'ai senti vraiment que c'était un truc un peu plus spécial. J'aime un tout spécial avec la forêt. Tu gardes Nara et tu fais en sorte qu'elle reste dans son trou. Nara, je reste à côté de toi, je te protège, ok? Aie confiance, t'inquiète pas. Je serai avec toi tout le temps. Si tu as peur, t'inquiète pas, je suis là. Non! Et pendant que vous parlez entre vous, elle a activé ses ailes et elle s'est mise à partir. Elle dit: mon frère, non, Nara! Nara! Bordel de merde, go! C'est quoi l'entrée? C'est une falaise, je peux le. Si je windstep, je peux sauter par-dessus, non? Oh, tu peux windstep, hein, vous pouvez tous. On peut tous sauter par-dessus. Vous pouvez tous commencer à sauter, escalader tout. Elle, de toute façon, elle a ses petites ailes, donc elle peut avoir une longueur d'avance relativement vite. Ok. Non, on l'avait retrouvé, bordel. Ouais, mais elle a dû sentir qu'elle a cru que c'était son frère par là et elle a dû partir. Il y a le camp qu'elle nous a indiqué, et comme par hasard, le. Ah, il y a un truc là-bas. Ouais. Mais j'espère que pas. Un jet de windstep. Attendez avant d'avancer. T'inquiète, on attend. Normalement, je suis censé. Non, non, t'es bon, t'inquiète pas, tu vas réussir ton jet. Attends, je vais le lancer. Il est super stas. Oh, en plus, allez. Voilà, c'est beaucoup plus classe. Je laisse partir, tu fais ton windstep et tu te retrouves devant. Et je vous propose qu'on s'arrête là pour la prochaine. Ouais.